Yo, on dit le quoi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Et aujourd'hui on a le portail de Shonades qui est sorti. Alors, bon, ma coupe elle ressemble plus à rien hein. On est au 10e jour de confinement là, c'est bon. Ça sert plus à rien de l'arranger. Qui dit télétravail aujourd'hui dit je vais pouvoir invoquer assez vite sur son portail. Et c'est un bon point positif qui est à retenir du coup de ce petit confinement. Donc on va aller lâcher les gars entre 100 et 120 cristaux sur le portail de Shonades. Comme vous le savez, d'habitude je préfère faire mes 40 invoques par jour. Mais c'est vrai que je trouve ça plus cool quand même de lâcher au moins 100 invocations le premier jour. Comme ça je vous fais une petite vidéo qui est plutôt pas mal. Et comme ça vous avez votre dose d'invocation, voilà. Donc Shonades, excellent perso qui fait plein de choses. Il permet de double tour sur Milo avec le Reaper Claw, c'est juste monstrueux. D'ailleurs Milo il manque une pièce pour le Reaper Claw, j'arrive pas à l'avoir vraiment. Mais bon, j'espère que ça viendra. Et on va aller invoquer dessus. Donc sans plus attendre, on va aller sur le portail. Et on va espérer et on va prier pour avoir de la chance. La petite animation de début qui pop. Ah, il a la classe quand même. Hein. Il a la classe, il a la classe. Même s'il est resté 5 minutes possédé et qu'après ça a été réglé, il a quand même assez la classe comme ça. Bon, on va commencer avec une multi. Allez, on va aller sur mon signe astrologique. Hop, Sagittaire, on va commencer par le Sagittaire. Attends, quoique. Chaîne des Enfers, je sais pas si... est-ce qu'il y a une constellation Chaîne des Enfers? Je ne pense pas. No translation. Oh, c'est les bugs qui font plaisir. Hein. Ah, c'est la harpe, ça. C'est... comment il s'appelle? Putain, j'ai un trou. J'ai un trou. Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver son signe, là. Je ne sais pas si... Andromède, ça marche ou pas? Ça a pas l'air de marcher. Oh, on va aller sur Sagittaire, au pire. Hein. Au pire, on va aller sur Sagittaire. Ouais. Je vois pas de... Je vois pas la constellation qui le correspond. Bon, c'est pas très grave. On va aller sur Sagittaire, du coup. On espère que ça nous portera chance. Petit Sagittarius. Tac. Allez, on commence dès le début avec une multi. Je vais apprendre que la bannière elle passe, parce que comme vous le savez, la bannière spoil tout. Si on a rien, il n'y a pas de bannière. Si on a quelque chose, il y a une bannière directement. Donc, let's go. Ah, The Cogito. Tiens, il a eu quoi? Donc on est à 902, faudrait qu'on s'arrête vers les 800. Il y a eu masse de mort, ok. Alors moi je m'en tire avec un éclat. C'est nul. c'est nul. On va pas se mentir, c'est très très nul pour le coup. Ça commence pas ouf, hein. On va pas se mentir, ça commence pas ouf. On va alterner entre les multi et les singles, comme vous connaissez. Parce que j'ai horreur des multi sur ce jeu. Hein, l'animation a dure 2-3, t'as une chance pendant 5 secondes, après y a l'animation elle est finie, et tu vois que t'as rien, t'as une charge. T'as quand même une charge de la multi, j'ai pas de chance. Hein. Alors je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas eu de S, sachant que moi je fais, en gros tous les jours, je fais les 3 singles journalières, peu importe le perso qu'il y a sur la bannière. Juste histoire de récupérer quelques éclats et puis des pierres bleues. Vous voyez ces pierres bleues là qui servent à acheter les skins. Du coup c'est pas mal pour pavillon des skins. Et puis ça permet aussi d'acheter des éclats de tome bleu. Et ça c'est sûr que c'est toujours bon à prendre. Sachant que c'est remboursé. Ok. Bon. Les Black Saints là ça va 5 minutes. Ça serait bien qu'ils mettent des autres chevaliers sur l'horloge. Alors. Pendant une seconde, je me suis demandé si c'était pas si à Godclaw. Ce que j'ai déjà, mais pour le coup, j'ai pas de tome allumé dessus. Parce que les tomes, c'est assez. Ça reste assez rare, même si on en a plus qu'avant. Et donc, bon, c'est pas ma priorité clairement en ce moment. C'est qui ça? Ah, c'est Erda. C'est Erda, El Famoso Erda. Bon, écoutez, je pense qu'on va repartir sur une multi. Hein. Oh, l'enfoiré, il est posé. Donc. Ah non, j'ai invoqué à la fin de la bannière. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de bannière qui réapparaît, j'ai rien.
Ah ouais, les multis, c'est sale, les gars. Les multis, c'est très très sale. Hein. Vraiment. Hein. C'est très 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 sale, les multis. Hein. Putain, pour taper des deux shards, des une shard, c'est. Bon, c'est le début. C'est le début. On y croit, les gars. On y croit. On a espoir. On a espoir d'avoir un truc. Allez, s'il te plaît. De toute façon, vous savez, on va rester sur Sagittaire, 50-60 invocations, et puis après on bougera. On bougera. Ou quoique, en vrai, est-ce que je vais bouger? Est-ce que je vais bouger? C'est ma constellation, quand même. Elle devrait me donner Shanadeth. Très intéressant aussi sur Miyu, si je me souviens bien. Parce qu'il n'utilise pas d'énergie non plus. Bon, qui n'est pas encore sur la globale, mais il va arriver. Incessamment sous peu. Mais c'est un combo qui est vraiment très très fort. Alors le problème avec Shenade, c'est qu'il rajoute de l'énergie, de consommation des... Waouh! Waouh, j'ai eu 3 éclats sur une single. Je savais pas que c'était possible. Hein. Bon, pour le coup, j'aurais préféré avoir Shenade, mais on prend. Ça rembourse les multi où on a pas grand chose, quoi. On a 2 éclats, 1 éclat. Ça rembourse un peu, on va dire. Bon, Niobe, il a l'air de bien aimer là, mais bon. Hop, hop, hop. D'ailleurs, vous faites quoi, vous, les frérots, pendant vos coups? Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Vous jouez à Senseiya? Parce que Senseiya, c'est vrai que il y a beaucoup de mode auto, donc la plupart du temps, vous pouvez faire quelque chose à côté. Moi, j'essaie de regarder des animes, mais en ce moment, j'arrive pas du tout. C'est un délire. Hein. Il y a des périodes où je suis plutôt en mode lecture. Manga papier, il y a des périodes, c'est plutôt des animes. Mais là, j'ai du mal vraiment à regarder des animes, c'est bizarre. Hein. Comme par hasard, le moment où j'ai vraiment du temps pour le faire, je suis pas chaud. C'est malheureux quand même. Hein. J'aurais tellement de séries à voir là ou de mangas à regarder, mais je vais attendre le moment où je vais re-être au taf, où je vais plus avoir de temps pour me dire ah ouais, j'aimerais bien regarder ce truc là. Ce truc là, il a l'air pas mal aussi. Mais bon, c'est la vie. Bon, du coup, on est à combien d'invocations? Je sais, j'ai même pas compté en vrai. Je crois que on a 40 invocations sans S. Donc la moyenne, c'est 40 invocations pour un S. Après, si ça peut arriver que ça ne se passe pas comme prévu. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui drop Poséidon là, parce qu'il faut savoir que maintenant Poséidon il est hors bannière en fait. On peut le drop hors bannière. Ah, c'est une catastrophe les multis là. Aïe aïe. Aïe 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 aïe. Les multis, c'est une catastrophe, les gars. C'est une vraie catastrophe, ces multis, là. Oh, le pauvre, il a écrit, putain. Oh, le pauvre. La bannière, quand même, c'est drôle. Alors, ça spoil, c'est chiant. Ça donne envie d'invoquer aussi, des fois, quand tu vois que le mec, il drop. Mais, quand tu la vois, tu te dis, bon, je suis pas le plus mal loti, peut-être. Après, bon, en vrai, est-ce que c'est mieux d'avoir un S et d'avoir Krishna que de ne pas avoir de S du tout? La question se pose, je pense. Je pense que la question se pose, honnêtement. Parce que je vous avoue que si j'ai Krishna, c'est comme si j'avais rien eu pour moi. Un petit grand pop aussi qui est passé. Bon, comme vous voyez, j'ai 850 gemmes. J'ai acheté les packs avec les Amazon Coins que j'avais acheté. Si t'as pas vu la vidéo, frérot, n'hésite pas, c'est juste ici. En fait, c'est un service qui te permet de payer 20% moins cher, qui est totalement legit. Et qui est, voilà, plutôt cool. Parce que ça permet de payer moins cher. Donc, quand il y a des économies à faire, on prend. Hein. Ah, Nachi, mais Nachi 4 étoiles. À souligner quand même, on a eu un 4 étoiles. Mais bon. Je vous avoue que là, j'essaie de me consoler comme je peux. Parce que c'est vrai que ça commence à faire pas mal d'invocations sans S. Et je commence un peu à flipper. Ah, depuis tout à l'heure, je vois aucun Shenade se passer. Hein. Les gens, ils ont des Aeolia, des Grand Pop, des Krishna, même des Poséidon. J'ai vu deux Poséidon passer, mais pour l'instant, aucun Shenade. Aucun chenade. C'est terrible.
Camus qui est devenu très très fort avec le Reaper. Oh, le Team Freeze, les gars, en PVP. Oh là là là, quelle catastrophe, les Team Freeze. Oh, je vous promets, c'est une catastrophe, les Team Freeze. Je déteste ça. Vraiment. Avec le Reaper Claw, c'est tellement cancer, ce genre de team. Ah, je suis désolé si vous jouez ça. Je suis désolé, mais les gars, c'est des teams. C'est insupportable. Ils te gèlent tous tes persos autour d'eux avec le gars. Alors, est-ce que... Aïe, 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 quelle catastrophe. Aïe, une charge en plus. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Ah, c'est pas bon pour moi, ça, les gars. C'est pas bon pour moi. Ça commence à chiffrer, là. Hein. On doit être à 60 invocations, quand même. Ça serait bien de drop. Oulala, elle a drop quoi? Aphrodite. Bon, ça serait bien quand même d'avoir un petit S là, un petit Poséidon. Je dis pas non. Bon, yoga frérot, je crois que je peux mettre tous les spells limite level 5. Donc, un S s'il vous plaît, messieurs. Monsieur Tessent, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez plus de chance que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. À me dire, ouais, moi, frérot, je l'ai eu en une multi, hein, dans les commentaires. Je sais que vous aimez bien. Donc, je vous laisse faire, vous inquiétez pas. Ça me fait plaisir quand vous dropez. Même si je préfère drop avec vous, hein, je vais pas vous mentir à ce niveau-là. Je préfère drop avec vous, mais bon. Quitte à ce que je drop pas, j'espère que vous, au moins, vous dropez. C'est déjà une bonne chose. Allez. Bon. Pour l'instant, les shards, on a un bon taux. Enfin, un bon taux. En vrai, je pense que le bon taux que j'ai sur les singles rembourse le mauvais que j'ai sur les multi. Mais bon, on fait avec, hein, on fait avec. Hein. Bon, ça serait bien d'avoir un S là, monsieur le jeu. Monsieur le jeu, s'il vous plaît. Allez. Bravo. Ah, Babybel, frère, Babybel, laisse-moi, gros, Babybel. Oh, la catastrophe. Ça commence à être chaud là, les gars. Ça fait 90. Oh putain, encore un Krishna. Ça commence à faire 90 là. Invocations. Donc je vous avoue que la larme commence à couler. Le front commence à transpirer. Aïe aïe aïe. Erda qui m'a bait encore. Ça ressemble un peu à la constellation. De Shun, donc je me suis dit peut-être qu'il y a moyen, mais non, malheureusement. Bon, ah, il y a un mec qui a eu Shun. Il y a un mec qui a eu Shun, il s'appelait Ronaldo. Vous pensez que c'est le vrai ou pas? Vous pensez avec le confinement, là, il est en train de se taper des multis sur CNC ou pas? Il a pris une île avec ses enfants et avec sa femme, comme ça, pas de problème. Il est sûr de pas être contaminé. Ah, il y en a, ils ont un level de confinement, les gars, on n'est pas prêts. Hein. C'est sûr que t'es confiné dans une villa, c'est pas la même chose que quand t'es confiné dans un 20 mètres carrés. Bon, je vous avoue que là, ça fait 100 cristaux et je commence à être déçu. Je commence à être déçu, mais on y croit. On y croit. Toujours y croire, toujours. Si j'y crois pas, qui y croira pour moi? Oh là là, la vache, franchement, je commence à transpirer là. Bon, on va voir, on a combien. On avait dit 120 max, mais je vous avoue que j'ai pas envie de m'arrêter là. On va voir, on a combien. On a 112, punaise. Bon, voilà, une multi encore. The Last One.
Après, on continuera à faire je vous ferai comme d'hab des invocations tous les jours. Alors, je sais pas si je liverai. Si vous me voyez sur YouTube, peut-être je lancerai un live de temps en temps pour vous faire les 40 invocations et parler un peu avec vous. À voir. À voir, à voir. Donc, c'est la dernière multi. J'espère vraiment drop un truc parce que là, ça fait quand même mal un peu. Ça fait un peu mal au cul, je vais pas vous mentir. Allez, let's go. Et au pire, je vous ferai une compile des invocations pour un peu plus tard dans la semaine. En plus de cette vidéo-là. Ça va trop vite, ça. Doucement, doucement, doucement. Mais il n'y a même pas de chat. Mais il n'y a même pas de chat. Bon. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis pas bien. Ah, je vous mens pas, je suis pas bien, écoutez. Bon. C'est la vie, ça arrive. C'est comme ça. Quand même, 120 invox sans S, ça pique. Ça pique, sachant qu'il y en a déjà avant, j'en avais pas eu, je dois être à 150 cristaux sans S. C'est la vie, ma foi, que voulez-vous. C'est la vie, on va continuer à faire les 40 invocations par jour pour avoir tout ce qui est remboursement. Et surtout pour l'avoir aux éclats à la fin. Hein. On a combien d'éclats là? On a eu combien d'éclats? J'ai pas regardé. Hop, inventaire, éclats. Chenadou. Chenadou, Chenadou. Chenadou, 26. 26 éclats de Chenadou. Sachant que j'ai pas récupéré ceux des récompenses. Bon bah écoutez, on va partir sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez plus de chance sur moi surtout. Et puis voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça ferait grave plaisir. Ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo ou un live. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description. On fait plein de trucs cool. On a fini Valorant Saga hier, c'était super marrant. Donc n'hésitez pas à venir passer un bon moment avec nous le soir et à vous poser. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao les mecs.